vu, on a recruté Kalou. Hey Forza à tous, c'est Snakey, ça fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui verra Bordeaux sacré champion de France de Ligue 1, 20 ans après bis repetita, France champion du monde, Bordeaux champion de France, et bien sûr tout cela grâce aux États-Unis d'Amérique. Welcome JCP, welcome Joe Dagrosa, I'm very happy to see you. Ah t'as vu un peu, je suis bilingue. Vive les Ford Mustang, vive Al Pacino, vive les hamburgers, vive les tornades, vive E.T., vive la zone 51 et surtout vive World Disneyland. Vive Mickey! Ça va, ça fait pas trop faux cul? Calme-toi, calmez-vous, calmons-nous. Ok, on est champion du monde, il fait 43 degrés dehors, mais un peu de lucidité. Ça vous a pas échappé, Bordeaux a été racheté par des Américains. Enfin, si ça vous a échappé, c'est vraiment que vous vivez dans une grotte, hein. Désolé de vous dire ça. Mais avant de parler de ce rachat un peu plus en détail, on va revenir sur la qualification des Girondins pour la suite de l'Europa League. Enfin, de l'Europa League. La seule chose qu'il y a à comprendre, c'est qu'il faut jouer 43 matchs pour pouvoir dire... on est en Europa League. À côté de ça, la Coupe du Monde à 48 équipes, ça va être du pipi chat. Alors je te rassure, on va pas trop parler de ce match et encore moins de nos adversaires qui ont plus l'habitude de jouer dans la pampa avec des ours et des grizzlies qu'avec un ballon de foot. Mais on retiendra que Youssouf du Brésil est la future révélation de la Ligue 1, voilà je l'annonce. Que Yaroslav Plazil a 17 ans, même Iniesta, quand il a vu cette passe décisive, il s'est levé, il a applaudi. Il s'est même mis à genoux. Bien sûr, on retiendra aussi que Gustavo Poyet a fait une composition d'équipe normale. Vous en rendez compte? Il a mis un attaquant en attaque. Mais c'est un ouf! Enfin, un attaquant. On parle de Depréville, hein. Depréville qui a dû mettre autant de buts dans sa carrière que Benoît Costil. Je sais, je suis un peu dur avec Depréville, mais bon... Moi, je viens d'une époque où les buteurs marquaient des buts. Voilà. Bon, c'est une époque lointaine, hein. Pour saisir le sens de ce que je veux dire, faut avoir vu jouer Papin, Pauleta, même Cavenaghi. Face à cette dizaine de joueurs, on va parler un petit peu du mercato. Mercato à Bordeaux, c'est tabou. Pour plus de détails et pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur Twitter, aller voir le compte Girondinfo qui donne toujours des infos assez fiables. On a de la chance à Bordeaux d'avoir quand même une sphère d'informateurs assez fiable, même si c'est pas facile avec les Girondins de Bordeaux, croyez-moi. Je me demande ce qu'il y a de pire entre regarder Kato TV pendant 3 heures ou suivre le mercato des Girondins de Bordeaux au mois de juillet 2018. Enfin, apparemment, ça y est, on a recruté un joueur. Hein. J'ai appris qu'on était sur Kalou. Voilà, ça rime vachement avec Cafou. Enfin bref, je vais rien dire, je vais pas lui porter la poisse. Et en fait, les ou, ça marche pas. Alors, on a des problèmes avec les ou. Alain de Saint-Maximin, tu vas pas me dire qu'on peut pas aller le chercher, lui? Wow, USA, American, Ligue des Champions. Bon, de toute façon, c'est quoi? Je vais faire une vidéo spéciale Mercato sur ma chaîne gaming Snakey Game Show. Voilà, je vous invite à aller vous abonner. Allez, maintenant, on va attaquer le sujet central de cette vidéo, le rachat des Girondins de Bordeaux. Et c'est donc les Américains de JCP, General American Capital Partners. T'as vu, j'ai bossé la vidéo. Hein. J'en profite pour dire merci à M6 parce qu'aujourd'hui, qui peut s'asseoir à la table de M6 et dire... je ne suis pas un mécène et j'ai gagné tous les titres nationaux. Qui? Qui? Alors que vont faire les Américains à Bordeaux? Eh bien écoutez, c'est très simple, ils ont deux objectifs. Objectif économique et objectif sportif. Ils veulent tripler les recettes des Girondins à Bordeaux. Donc ce sera grâce à la billetterie, le merchandising, des events. Et également, un objectif sportif du coup, c'est tout simplement de ramener les Girondins de Bordeaux à leur place, c'est-à-dire en Ligue des Champions, dans les années à venir, voilà. Ah, sacré Hubert! Toujours le mot pour rire. Alors ça c'est évidemment ce qu'il y a en théorie, hein, sur le papier, sur la brochure, c'est écrit ça, tu vois. Maintenant dans la pratique, on verra bien. En même temps, tu t'imagines bien que les mecs ils vont pas arriver et dire l'inverse. Hein. Bonjour à tous, alors écoutez, notre objectif c'est de faire un peu d'argent en vendant et en achetant les joueurs. Voilà, on va jouer le ventre mou. Allez, bon dimanche à tous. Comment ils vont faire pour développer les Girondins de Bordeaux? Eh ben pour atteindre l'objectif économique, première chose à faire c'est l'achat-revente, un peu comme fait Monaco. C'est d'acheter des jeunes joueurs à fort potentiel et de les revendre très cher au bout de 2 voire 3 ans maximum. Et bien évidemment ils vont exporter et exploiter l'image, la magnifique image avec son aura mondiale de Bordeaux. Ça va, vous me suivez? C'est bon? C'est bon au fond là, c'est bon ou pas? Alors ce qui nous intéresse surtout c'est de savoir comment ils vont faire pour amener le club en Coupe d'Europe et notamment en Ligue des Champions. Alors je suis désolé mais avec 80 millions d'euros sur 3 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est dingue, mais vous gobez vraiment tout ce qu'on vous dit? Je vais vous expliquer quelque chose. Alors, approche-toi encore un peu. Ça reste entre nous ce que je vais dire. Hein. Mais imagine, si tu retires beaucoup d'argent à un distributeur en pleine nuit, est-ce que tu vas le gueuler sur tous les toits? Bon, je suis actuellement en train de retirer de l'argent au distributeur. J'ai 1500 euros en liquide. Je vais regagner mon domicile seul, sans défense. Est-ce que vous savez que je suis aveugle et malentendant? Faut faire preuve de bon sens à un moment donné. Croyez-moi, personne ne sait vraiment combien de moyens ils auront à disposition. Alors, j'entends vos inquiétudes, hein, je vous comprends. Il y a beaucoup de supporters qui sont très inquiets par ce rachat. Hein. C'est normal, voilà, c'est comme quand tu changes de copine, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu retrouves. Alors, il reste une question à laquelle j'ai pas répondu, c'est pourquoi Bordeaux vaut 100 millions d'euros? Sachant que Marseille ou Paris, quand ils se sont fait racheter, valaient beaucoup moins. En exclusivité pour vous, je vais être le premier youtubeur dans le monde entier, dans toute l'histoire de l'humanité,
à vous expliquer de l'économie avec un barbe à papa. Alors maintenant imaginons, ça c'est votre barbe à papa. Vous l'avez acheté 20€ au magasin, mais vous avez décidé pendant 20 ans de lui acheter des petits cadeaux. Donc vous lui achetez des lunettes, hop 10€, vous lui achetez un casque, 30€. Voilà, maintenant ce barbe à papa que vous avez acheté 20€, il en vaut au moins 60-70. Et bien M6 avec Bordeaux c'est pareil. M6, on va dire que le casque c'est le stade. Mais voilà pourquoi les journées de Bordeaux en gros ont été vendus 100 millions d'euros. Alors si vous passez un examen un jour en économie, évitez de prendre l'exemple de barbe à papa. Pas sûr que ça marche au niveau des jurys. Bref, je vous demande donc de ne pas sombrer dans le catastrophisme. Laissons-leur une chance, laissons-leur apprécier nos chocolatines. Vous regardez bien sur les réseaux sociaux, ceux qui se foutent le plus de notre gueule, c'est les Marseillais. Mais putain, mais ça alors? Mais c'est incroyable hein. C'est vrai que pardon, en termes de champion de project américain, ils ont beaucoup de leçons à nous donner. Alors occupez-vous de vos fesses, hein, d'accord? Hein? Il est où Balotelli? 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 Oh, il est pas là. Il ne serait pas en train de se servir de l'Olympique de Marseille pour augmenter sa valeur sur le marché des transferts par hasard. Si tu as aimé cette vidéo et que tu penses que Bordeaux va retrouver son aura d'antan, tu peux cliquer sur le pouce bleu. N'hésite pas à activer les notifications aussi afin de savoir quand est-ce que je sors une vidéo. Parce que la reprise c'est bientôt, je vais attaquer ma 3e saison de débrief. Il y aura évidemment des nouveautés, un nouveau cadre. Parce que le but du jeu c'est quand même d'évoluer, de pas faire comme les autres. Et surtout de vous amuser, voilà, c'est ma principale des priorités. Allez bisous, prenez soin de vous, allez Bordeaux. Et on est là!